Je suis donc avec un des régionaux de l'étape, l'Émile Lehmann Coco, qui nous fait le plaisir de répondre à notre interview et qui vient de sortir un essai sur l'esclavagisme. Alors, parlez-nous un petit peu de ce nouveau livre. Alors, Histoire de l'esclavage dans les colonies françaises, c'est un essai historique, un essai sur l'histoire de l'esclavage, comme son nom l'indique, qui est né pour plus de manière pédagogique et didactique pour les jeunes et les adultes, parce que je n'ai pas trouvé suffisamment de littérature appropriée pour les jeunes, et cet ouvrage est une référence dans les collèges et dans les lycées, donc c'était une bonne opportunité de le faire. Alors vous avez sorti un livre qui était un roman historique. Vous avez aussi fait de la poésie. En fait, vous êtes un petit peu multi écrivain. Oui, comme beaucoup d'écrivains. Donc je suis d'abord avant tout poète. Puis j'ai fait quelques romans et deux essais, notamment sous l'esclavage. Et effectivement, le dernier roman, Grand Café, est l'histoire d'un de mes ancêtres pirates. Donc tiré de l'histoire, c'est un roman historique, mais bien entendu très romancé. Comment on s'attaque à un essai, comme le dernier, pour faire comprendre le drame de l'esclavagisme aux plus jeunes, en fait? Alors, depuis 2006, depuis qu'il y a eu un jour de commémoration de l'esclavage en 2006, c'était le 10 mai, c'était donc cette semaine avant-hier, les jeunes, tout le monde en parlait, tout le monde entendait parler de l'esclavage, mais on ne savait pas trop quels étaient les mécanismes de cette histoire-là, qu'est-ce qui s'y passait, comment vivaient ces gens-là, comment ont-ils été libérés, donc ils sont arrivés à l'abolition, et comment ont-ils fait pour arriver à l'abolition, et que sont devenus ces gens-là après l'abolition de l'esclavage. On n'a pas beaucoup parlé de cela, et aussi quelles étaient les conséquences de l'esclavage. Donc l'essai sur l'esclavage regroupe un peu tout ça, le mécanisme de l'esclavage, comment vivaient ces gens-là, comment ont-ils obtenu leur abolition, et que sont-ils devenus après l'abolition. Et tout à la fin du livre, je parle un peu de certains traumatismes, parce qu'il y a beaucoup de traumatismes liés à l'esclavage. Donc maintenant, ça permet aux gens de voir, je dirais pas l'ensemble de l'histoire, quand elle est longue, 4 siècles et demi, c'est immense, mais néanmoins, ils ont des repères historiques qui leur permettent quand même de mieux appréhender l'histoire. Et c'est primordial pour les jeunes, parce que le problème de l'esclavage, c'est tellement vaste, c'est tellement grand, et c'est tellement vieux aussi, on n'a pas toujours les bons repères. Et parler de l'esclavage, on pense toujours à quelque chose de fondamentalement mauvais, parce que le noir est attribué à l'esclave, on peut dire ce qu'on veut, mais c'est comme ça, c'est l'histoire qui le veut. Mais néanmoins, quand on a compris l'histoire, quand on s'est intéressé à l'histoire, on voit les choses d'une manière différente et on commence à comprendre un petit peu mieux l'histoire et pourquoi les gens sont comme ça, parce que les conséquences ont généré des comportements. Et pour pouvoir les comprendre, mais il faut savoir d'où ça vient. Ben, ça vient de l'esclavage ou des traumatismes historiques que les gens ont vécu. Alors quand je vous écoute, je retrouve dans votre bouche les propos de Lian Thuram qui me semble tient un petit peu le même langage, qui dit que pour combattre l'esclavagisme, il faut se référer à son histoire et expliquer ce que c'était et pourquoi on en est arrivé là. On ne peut pas avoir un discours différent, d'accord? Et quel que soit l'individu, le discours est celui-ci. Chacun a besoin de son histoire pour pouvoir progresser et évoluer dans la vie. Si on ne parle pas de son histoire, si on ne la connaît pas, si on n'a pas eu les rudiments même de ce que l'on est, de ce qu'on en a été, parce que pour être, il faut avoir été. Donc, on ne peut pas comprendre l'histoire. Et ça passe par l'éducation. L'éducation, c'est au travers des livres. Les livres, ce sont les gens qui les conçoivent, qui les créent et qui divulguent l'information. Et plus on parle de l'histoire de France, car c'est l'histoire de France, pas l'histoire des Noirs, l'histoire de France, c'est intimement lié à nos sociétés. Les sociétés post-esclavagistes et la société française sont intimement liées par l'esclavage. Donc il est important, il est même vital qu'on parle de cette histoire-là pour que l'ensemble des Français connaissent leur histoire. Parce que on dit souvent c'est l'histoire des Noirs, non, c'est l'histoire de France. Et pour que les Noirs et les Blancs vivent en intercommunauté d'une manière parfaite, eh bien, il faut qu'on connaisse l'histoire des esclaves, comme l'histoire du Guesclin, comme Charlemagne, comme Vercingétorix. Et comme ça, on peut vivre mieux parce qu'on saura qui est l'autre. On connaîtra, je dirais, les origines du comportement des autres. On comprend bien comment sont les Français aujourd'hui quand on se réfère à Vercingétorix, à Charlemagne, à toute cette descendance-là qui ont fait l'histoire de France. Et j'ai appris ça à l'école. Et effectivement, quand j'étais enfant, je voyais un blanc et automatiquement, je comprenais son histoire parce que je la connaissais. Et l'inverse est aussi vrai.
Bon vent à Passion Bouquin. Il est mignon le caméraman. J'espère que ça sera aussi sur le site. Mais il dit que des conneries. Pardon. Au revoir. À bientôt.